Dans mon rêve, je sens l'odeur du barbecue. J'entends des enfants. Un chien. J'aperçois quelqu'un. Enfin, je crois. Mais rien ne m'est destiné. J'avance sous les rugissements des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Les yeux bien ouverts, Blaskowitz. Et tu fais le guet. Retourne dans la cabine et coupe l'alimentation du moteur 6, vite! Va voir dans l'armoire à outils, t'as besoin d'une pince coupante et de fil de fer. T'as besoin d'outils, l'armoire à outils est près de la porte du cockpit. Il y a des milliers de litres de carburant dans les réservoirs, dépêche-toi, on va perdre l'aile! J'ai une guerre à gagner. T'as failli me faire peur, espèce d'enfoiré. Un vrai dur à cuire, nom de Dieu. Aidez. Mon tour, hein, vous me recevez? Utilise cette trousse de secours, vite. À quoi tu joues, espèce d'abruti? Hé, Condor 9, ici vautour 1, écartez-vous un peu. Négatif, vautour 1. On va relâcher un berce à cause du roulis. Faut qu'on brise la formation et qu'on nous fasse de la place, Fergus. Affirmatif, Randall. Eh merde! Blasco, rentre au radar! Tire le levier là-haut, près des voyants lumineux! Merci, capitaine. Vous êtes dans un sale état, Condor 9. Je vois de la fumée. Fuite au niveau des gouvernails. Aileron frise HS. Ouais, j'ai l'impression de piloter un frigo en béton. Merci, Fergus. Condor
9. Répondez, Condor 9. Merde, ils transportent des troupes. Condor 9, répondez. Répondez, Condor 9. Ici, Condor 9. Qui c'est? Soldat Wayland. Son 9e aéroporté. Ok, mon gars. Ouvrez bien vos oreilles. Bon. Vous voyez le manche du pilote? Je le vois. Bien. Il faut que vous l'attrapiez fermement à deux mains. Et que vous le tiriez vers vous. Ne le tournez pas. Il doit rester droit. Tirez-le juste vers vous. Ok, soldat Wyatt. Vous allez faire une dernière chose pour moi. Quoi? Postez un homme près de la porte latérale. Vous allez avoir de la visite. Bien reçu! Blazkowicz, ouvre la porte des cockpits. Tu devras attirer... Capitaine ? C'est marche ou crève, soldat. Comme d'habitude. Bien dit, capitaine. La guerre nazie avance à un rythme effroyable. On accumule le retard. Nos stratégies sont éculées. Nos armes dépassées. Personne ne sait pourquoi. Les gens commencent à désespérer. Pas moi. Je suis là pour voir un vieil ami régler mes comptes. Je vais changer la donne. Fergus, où t'en es de ton côté? Blazkowicz, on est dans la merde jusqu'au cou ici. On est piégé à l'intérieur d'un avion, pendant qu'un genre de cerbère blindé essaie de nous boulotter. Ouais, j'ai le même problème ici. Je suis coincé dans une épave. Tu vois par là-bas? Hé hey, Wyatt, allumez les lumières. Blazko, est-ce que tu la vois? Wyatt, essayez-moi ça vite. D'accord. Je vous vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Impossible de l'atteindre d'ici. On est piégé dans cette boîte de conserve. Et toi, tu pourrais peut-être tuer ce cabot en utilisant la tourelle dans le cockpit de notre appareil. Il nous faudra au moins ça pour en venir à bout. Essaie d'y aller à la nage. Tant que tu gardes la tête sous l'eau, tout va bien se passer. Bonne stratégie, Fergus.
J'arrive tout de suite. Une mitrailleuse dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire étriper. Alors tu vas m'infiltrer ces tranchées et éliminer les tireurs. Tu vas devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Nous on reste ici pour te couvrir. Compris. Ah, prends ce casque. Je te tiendrai informé depuis notre position. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture ? Tu dois neutraliser. Moi, je conduis les gars au complexe en longeant la tête de pont. Bon, écoutez les gars.